Good morgen, allez, Idan et Sussra aujourd'hui, le Nishmat, Chayester, Bat Miriam, Mesrak Perez Ben Fortuna et Chay Michael Ben Sultana. Si vous souhaitez, vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah complète de la communauté éternelle. Nous étudions Masechet Shabbat, Perek Yulzaïn, Mishnah Bet. Notel Adam Kournas, le Fatsea Bo et Egozim. Le Kardom, l'Artoch et Adevela. Megera, l'Igror, Ba et Agevina. Magrefa, l'Igrof, Ba et Agrogrot. Et Arachat. Et à Mazleg, la tête à lave, la katane. Et à couche, et à karkar, l'itrov bo. Machat chaliad, l'itol bo et à kotz. Vechel sakaïn, l'iftoach bo et hadelet. On continue à découvrir dans notre Mishnah des règles de Mouktsé. C'est-à-dire, Mouktsé, c'est les choses qu'on n'est pas censé utiliser à Shabbat, que du coup. On n'a pas, puisqu'on n'a pas d'intention, même inconsciente, de les utiliser à Shabbat, on les exclut du cercle des objets qu'on prévoit d'utiliser et qu'on n'aura plus le droit d'utiliser. C'est le principe général du Mouktsé. Il y a maintenant des objets qui sont intermédiaires, qui sont, en théorie, prédestinés à des travaux interdits, donc je ne prévois pas les utiliser, mais j'arrive souvent dans des situations où finalement j'ai besoin de les prendre même pour quelque chose de permis, pour les utiliser quelque chose de permis. C'est-à-dire, ça s'appelle, par définition, ça va être un cliché, l'arto il s'ouvre. Un ustensile qui est prédestiné à un travail interdit, mais que je veux utiliser les tsorer gufo, que j'utilisais pour moi-même, pour en profiter. La gamelle rajoute même aussi les tsorer mekomo. Comme ça, on tient pour la halakha. S'il me dérange, j'ai le droit de le déplacer aussi. Imaginez, j'ai laissé un tournevis par terre. Soit j'ai besoin d'un tournevis je sais pas, imaginez, je veux ouvrir une noix, mettre le pic entre les trucs et le casser comme ça, j'ai le droit d'utiliser le tournevis. Ou encore, s'il est par terre et me dérange pour passer, j'ai le droit de le ramasser et de le ranger. Du coup, la Mishnah va entrer dans toutes sortes d'exemples d'ustensiles prédestinés à un travail interdit que j'ai le droit d'utiliser si je veux en faire une chose permise à Shabbat. Premièrement, notez la dame Kournas. Un homme pourra prendre un Kournas et un Patish, Rajid nous dit. Ah, ça va être dur là, quand je suis fatigué. La traduction des mots, ça va pas aller. Aidez-moi. Kona, c'est un marteau. Les fatsea bo et egozim pour ouvrir des noix, casser les noix. Ou encore, ve kardom, l'artor et hadevela. L'artor, un kardom, c'est, comment dire, une pioche. Ouais, pour creuser. Donc, l'artor et hadevela pour pouvoir casser des. Pour pouvoir couper plutôt des dvelas. Dvelas, c'est les figues qui sont. Les figues séchées. On les faisait en rond de figues. On les tassait une sur l'autre. Puis après, c'était très dur. Pour les casser, en fait, il fallait une sorte de. Avec un. Je sais pas, une pioche ou un. Et il fallait l'utiliser pour mettre un gros coup dessus pour bien pour le casser. Donc ça, on avait le droit d'utiliser. Megera. Megera. Alors cette fois-ci, c'est une sorte de scie. L'igror ba et a gevina, pour couper ou scier plutôt le gevina. C'est le même, les ronds de fromage. Le fromage, pas. D'accord, le rond de fromage, une fois qu'on l'a mis en boîte pendant plusieurs jours pour le faire sécher et vieillir et tout ça, et ensuite pour pouvoir le couper, eh bien il fallait utiliser une megrefa, une scie. On pouvait aussi utiliser, il y avait des ustensiles prédestinés pour le faire. C'est sûr qu'on a le droit de les utiliser. La Mishnah me dit, même si tu es bloqué, tu n'as pas, tu as besoin de prendre ta scie, même si la scie, elle est cliché, marteau, les sourds, parce que scier du bois, Shabbat, c'est pour créer des. Pour construire, c'est interdit. Malgré tout, tu as le droit d'utiliser pour la nourriture. Ensuite, magrefa, c'est une pelle. Les groffes, bah, et ta gros grotte, pour pouvoir ramasser les gros grottes. Les gros grottes, c'est de nouveau les figues séchées. Cette fois-ci, c'est pas les figues avec lesquelles on les mettait en fût. C'est pas celle avec laquelle on faisait le pain de figues, mais plutôt celle qu'on stockait en fût. Maintenant, la figue, elle est collante de nature. Donc après, une fois qu'on a retourné le tonneau et qu'on veut les faire tomber, les figues, il y en a encore qui restent collées sur les parois, on faisait rentrer une pelle, même si c'est clé de sourd parce que c'est prédestiné à creuser à Shabbat, qui est un travail interdit, malgré tout, c'est le droit, on aura le droit d'utiliser pour faire sortir les figues. Et à rachat vet amazleg. Alors, le bartenoir, il explique. Rachat, c'est pas expliqué justement, c'est pour vanner le blé. Vous savez, une fois qu'on a fini le blé, qu'on l'a piétiné pour faire sortir le grain, alors et on le vannait, on le prenait, on le jetait en l'air, et le vent soufflait dessus, et il prenait les impuretés et les éloignait, tandis que le grain qui était plus lourd, il retombait à plus grande proximité. C'est comme ça qu'on faisait le tri du blé de l'écorce.
Maintenant, cette sorte de fourche qu'on utilisait, qui est une fourche très fine et qui est très, très légère, ça c'est ce qu'on appelle la Megera. Là, excusez-moi, la Rachat. Rachat et Mazleg. Mazleg, c'est une fourche. De nouveau, on a le droit de les utiliser, la tête à lave, la katane, pour les utiliser pour donner à manger à un petit garçon. Je n'ai pas trop compris quand on va avec une fourche, on veut le mettre dans la bouche. Mais imaginez que c'est. Je ne sais pas quoi. D'accord? Et ta couche va être à karkar. Là, cette fois-ci, on est passé à deux sortes d'objets en rapport avec le métier à tisser. Couche, c'est le palech, je sais pas comment ça se dit, la pelote. C'était un bout de bois sur lequel on avait toute la pelote. Il fallait on le déroulait pour pouvoir faire le fil. Et on le faisait faire l'aller-retour. Et donc ça, c'est ce bois-là. C'est un bout de bois. Ou encore, on va être à Karkar. Cette fois-ci, c'est une sorte de grand bâton de bois. C'est aussi l'itrofbo, si tu as besoin de pousser quelque chose. Ou plutôt, Rachel Bartonari apporte, les cholbotoutines et les cholminéprirach. Pour les enfourner, pour les enfourcher. Il fait une brochette avec. En fait, il prend ce. Ouais, imaginez, en fait, on peut prendre un cas avec quelque chose de plus simple. C'est le même principe que l'aiguille de tricot, l'épingle à tricot. Elle est longue comme ça et fine. Eh bien, si tu veux te faire une brochette avec pendant Shabbat, même si c'est pour décider un travail interdit, tu as le droit d'utiliser. Machat shel yad, à différencier avec Machat shel sakaim, qui va avoir ensuite. Machat shel yad, c'est une vraie aiguille toute simple. Le tolbot à côte, tu as le droit de le prendre pour. Si tu as besoin d'une aiguille pour faire sortir, tu t'es mis un copeau de bois dans la main, tu as le droit de le faire sortir. Attention, précision importante, c'est qu'on peut être confronté à un interdit de la Torah dans ça. Crever un abcès, le partenariat nous dit c'est permis, à condition, si imaginez vous avez des formes, pas forcément un abcès, une cloque qui s'est faite et du pu qui s'est stocké dedans, et on a envie de la percer pour que le pu sorte. Le partenariat nous dit tu as le droit de le faire, c'est du tsar, on a le droit de le faire. Mais à condition que tu ne le fasses pas avec intention d'avoir une ouverture. Apparemment, je ne sais pas, pour que ça sèche bien ensuite, apparemment l'usage il était de faire une ouverture de manière à ce qu'il va y avoir de l'air qui va entrer et sortir. Comme ça va faire plus sécher la peau, je suppose. Et le Barthénois donc nous dit, ben là, tu as le droit de percer pour faire sortir ce qu'il y a dedans, même si c'est un cliché de marteau sourd. Mais par contre, tu n'auras pas le droit d'en faire, hein, de faire de lui, d'avoir une intention de le faire avec une ouverture. Et ensuite, Véchel Sakaïn. Cette fois-ci, sakain, ça vient de sac. Comme en français, un sac, aussi en hébreu, un sac, un tic. Un sac, c'est une aiguille avec laquelle on tricotait les filets, en fait. Les filets de pommes de terre, par exemple. Et cette fois-ci, c'était une aiguille qui était plus épaisse. L'usage, il était d'utiliser, pourquoi l'histoire, beau état des lettres, de l'utiliser pour ouvrir la porte si on avait perdu la clé, ou il y avait des techniques de faire entrer l'aiguille dedans pour pouvoir déplacer les petits plots comme ça. Et voilà! Et donc le principe de la Mishnah, les cliché marteau le sourd, un ustensile qui est prédestiné à un travail interdit, on a le droit de l'utiliser pour une utilisation permise pendant Shabbat. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Tzlacha, Kol Tov, Salam.